Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la mise à jour du mercredi 3 mai. Alors, dans cette mise à jour, on a plusieurs choses à découvrir ensemble, mais là on va commencer par les salons de coiffure. Donc déjà, premièrement, les icônes ont été refaites, comme vous pouvez le voir, c'est un icône tout rose. Alors moi, par rapport à ça, je trouve que c'est un petit peu dommage qu'ils aient fait en rose. Je pense que c'est aussi pour rappeler un petit peu la couleur principale de leur jeu, de leur logo, etc. Mais du coup, ça fait un point rose au milieu de tout et c'est pas hyper joli. Je trouve qu'on aurait pu mieux accorder ça. Mais en tout cas, on va tout de suite aller voir les nouveautés dans ce salon de coiffure. C'est les mêmes dans tous les salons de coiffure, hein, je tiens à préciser. Donc ici, nous avons toujours maquilleuse. Bon, là, il n'y en a pas. Coiffeuse, là, on a donc des coiffures. Apparence, donc là, je peux changer mon apparence directement via les salons de coiffure. Et afficher, posséder. Alors là, c'est toutes les coiffures que j'ai en ma possession et tous les maquillages que j'ai en ma possession. Voilà, voilà. Donc, on peut changer directement ici sans revenir à notre écurie. Donc franchement, je suis plutôt contente et j'approuve les modifications qu'ils ont faites. Bon, après, l'icône, c'est pas le mieux, mais bon, ça va. Bon alors, en fait, je viens de me rendre compte que nouveaux équipements, on pouvait que les adapter à l'Andalou, le Pasofino, le Lipizan et le Morgane. Du coup, j'ai été chercher mon petit Morgane parce que c'est vrai que comme c'est pas un cheval que je monte très souvent parce que je l'affectionne pas plus que ça, je me suis dit qu'on allait tester des nouveaux équipements sur lui. Donc, c'est parti. On va tester les premiers. Oh, c'est trop beau. C'est magnifique. C'est des guêtres. Alors, des protège-jarrets et cloches de luxe noir. Direct Stamper. Donc ici, voilà, on a toutes les mêmes en différentes couleurs. Très, très joli. Ça, c'est juste des protège-jarrets sans cloche, donc pareil avec toutes les couleurs rembourrées, trop beau. Ça c'est juste les cloches, hyper joli, j'aime trop. Et ça c'est... c'est les mêmes du coup, je me trompe. Ah non, si. Bon, je vois pas trop la différence, mais ok, je comprends pas trop. Ça, c'est de sport, du coup, pareil. Et là, c'est juste des protège-jarrets normaux. Ok, écoutez, moi, j'adore. Et je pense que j'ai un peu d'argent, donc on va pouvoir se faire un petit peu plaisir. Parce que je trouve que, vraiment, ils ont fait un effort. Et ils ont vraiment bien réalisé tout ça. Donc, je pense que je vais déjà en prendre... J'aimerais bien en prendre deux, genre des noirs. Avec des cloches peut-être. Mais déjà je pense que je vais prendre les marrons pour les accorder à cette tenue. Tac. Et puis plus tard j'en prendrai d'autres sûrement. Parce qu'ils sont trop beaux, j'aime trop, ça rend hyper bien. Regardez-moi un peu ce travail, genre. Ils ont tellement bien travaillé, j'ai l'impression sur ces trucs là. Oh, j'aime trop. Bon. Bref, assez blablaté, on va continuer la mise à jour. Avec la mission à Dundul, on a un nouveau ranger dans le coin. Donc c'est parti, on va se diriger à Dundul et on se retrouve là-bas. Donc c'est parti, on va parler à Luis qui nous dit « Tiens, une nouvelle tête! Salut, je m'appelle Luis. » Fais la rencontre de Luis et découvre sa démarche pour attirer plus de gens à Mistfall. « Je suis tellement content que tu sois là. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je n'ai pas croisé quelqu'un. » Enfin, à part mes amis rangers qui viennent s'entraîner, même si ça va à l'encontre de ma démarche. Quelle démarche ? À Mistfall, les rangers se démènent pour protéger l'environnement. Mais pour être honnête avec toi, nous ne sommes pas des cavaliers très doués pour faire des rencontres. On voit rarement de nouveaux cavaliers, donc on a décidé de mettre en place des séances d'entraînement ouvertes à tous, ici dans notre enclos. C'est moi qui suis chargée d'animer les entraînements, mais pour l'instant, les rangers sont mon seul public. C'est génial que tu sois là, enfin une inconnue qui vient par chez nous. Mais tu ne resteras une inconnue bien longtemps, crois-moi. Ça t'intéresse de rejoindre nos séances? Dis oui s'il te plaît, ne me laisse pas seule ici. Ok. Alors, on va donc faire sa course. Qui nous rapporte 150 d'XP, c'est parti. Donc c'est l'équitation de travail.
Ça me fait fortement penser, bah justement, vu que c'est de l'équitation de travail, à celle qu'on a près du vignoble de Silverglade. Parce que j'aime vraiment beaucoup. Ah ! Waouh ! Je me suis loupée. Ah, non, 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 oui. J'aime bien parce que ça amène un peu l'agilité, puis la rapidité aussi de faire bien les choses. Ça me fait beaucoup penser à l'Equifun. Peut-être que si vous faites de l'équitation, vous voyez de quoi je parle. Personnellement, comme j'en fais IRL, j'ai déjà fait quelques petits concours d'Equifun. Et franchement, c'est sympa parce que c'est un petit parcours d'agilité. Et c'est grave cool, je trouve. Bon, alors du coup, voilà, on a fait cette petite course qui n'était pas très longue. Mais voilà, rien de trop nouveau, sinon c'est une petite course d'équitation de travail. Enfin, on ne peut plus basique, quoi. Alors, un nouvel équipement est disponible dans la boutique bonus, donc on va le regarder ensemble. Et ça fait partie de l'ensemble Cavalière de la Nuit. Donc ce sont les gants. Personnellement, j'aime pas trop cet ensemble, mais on va quand même regarder qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Tac. Alors, ce sont des petits gants, des mitaines plus précisément, avec des petits traits en triangle noir, violet clair et violet foncé. Voilà, j'aime bien, sinon c'est un noir assez basique. Ce que j'aime bien, c'est que c'est pas un noir totalement très 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 franc. Alors moi, j'aime beaucoup le noir franc, genre où c'est vraiment bien bien noir, bien foncé. Mais là, c'est un petit peu un noir délavé et ça donne un style plutôt pas mal. Mais sinon, moi, je suis pas plus fan que ça, du coup, ils vont partir à la poubelle, voilà, malheureusement. Bon, et bien voilà, j'espère que cette mise à jour vous aura plu, moi, j'ai adoré passer ce petit moment avec vous, je vous fais d'énormes bisous, et je vous dis à la prochaine, bye bye!